Yo, what's up everybody? Non pam se Urbenz. Bienvenue nan espace Urbenz Music. Daddy still on the beat. Non, Pam, c'est Urbenz. Bienvenue sur la chaîne YouTube Air Music la côté. Ou pral gen possibilité pour apprendre et comprendre yon paquet de bagay sou koze musique temps en temps ensemble avec sou chaîne YouTube ça. Premier bagay wap gen pour faire, wap gen pour aller pour capable abonner avec chaîne là, yon façon pour capable garder toute vidéo qui pral fait sou koze musique. You know what man, it's all about music baby. Let's go. Attendez. Bon bref, let's go. Yo, ok, we back baby. En passant, j'espère vraiment que vous êtes abonné ensemble avec chaîne YouTube là pour capable pas rater aucune vidéo nous yo. Assoir ou bien matin, tout dépend de l'heure. Pour regarder vidéo, nous pral parler de la trap musique. Oui, la trap musique. Nous pral essayer de qui ça qui trap musique. Est-ce que il y a trap musique qui a fait en Haïti et qui est-ce qui a fait trap musique en Haïti si toutefois il y a fait en Haïti vrai. On a rapidement nous pral dire qui ça trap la li même lié. OK, juste avant que nous commencer parler de la trap musique, nous pral essayer garder mouvement ou bien modèle musique que relé Dirty Surf là avant parce que nous connaît dans année 80 pour y venir dans année 90 yo, rap US là était principalement dominé par le rap East Coast et le rap West Coast. Parce que l'on est sorti dans le sud là, il n'y a pas trop pris au sérieux que ça. Maintenant, en 80 pour y faire 90, il y a un nouveau courant qui va commencer à découler dans le sud américain et qui va porter le nom de Dirty Surf. Laisse ça, il y a deux rappeurs qui sont sortis Memphis, il y a deux rappeurs qui sont sortis Houston, il y a deux rappeurs qui sont sortis Miami qui va apparaître avec un new style, côté rythme, côté sound. Et on va jouer dans l'année 90, il y a un groupe qui est le 36 Mafia qui va le considérer comme pionnier dans la trap music. Trap music avant tout, faut qu'on garde non aspect lyrical ou bien réel parce que trap music là, c'était une façon pour rapper dans studio, yo était capable d'écrire réalité que y a vivre dans moment parce que dans espace côté que y a vivre là souvent, yo était connu le de trap city ou bien de trap house. Trap city ou bien trap house là, c'est espace côté la donne gain de monde qui a deal coke ou bien gain de monde qui souvent a fait de passage drogue ou bien côté la dalle de monde qui a smoke drogue. Eh bien ça te vient fait que monsieur te vient dit tête yo yo supposé font musique qui propre à eux même parce que yo t'estimé musique qui t'a fait dans l'époque là pas trop à parler de réalité que a vivre là. Eh bien nan kon ça pendant yo nan ben doa ça veut dire espace côté y a hang nan, eh bien yo t'ai besoin de musique pour t'ai capable relaxer de bagay qui t'a parlé de sexe, bagay qui t'a parlé de drogue et bagay qui t'a parlé de money. C'est de là idée pour faire trap musique là paraître avant il pas vraiment causer sound. Tant que j'aime dire moi, il sorti peut-être le Dirty Surf là, mais côté sound n'a pas vraiment primé la dans ces aspect lyrical là. Après 36 Mafia, nous pral arriver dans année 2000 pour nous tendre vraiment décollage musique ça. Avec un artiste ou T.I. T.I. que souvent vous considérez comme le père de la trap musique parce que monsieur c'est peut-être le premier monde qui prend le fond projet et qui prend le baptisé pour te trap musique. C'était non album T.I. qui était sorti. Un album qui était sorti qui était fait pile succès. Un album qui était permettre que trap music là li vraiment commencer à émerger dans tout États-Unis parce que nous connaît trap là pour vraiment prendre US l'argent peut-être rap East Coast ou bien Jean peut-être rap politique là ou bien gangsta rap là lui-même il te prend toute state là ça va le vin fait gagne l'autre artiste qui est le Gucci Mane monsieur lui-même qui sorti Atlanta. Eh bien, Gucci Mane que on peut considérer comme étant le père de la trap moderne parce que monsieur pral pote yon aspect que T.I. li même pas pote dans trap là. Monsieur pral pote trap flow, gardien de flow qui propre avec trap là et pral gen de producteur qui vraiment intéressant qui pral manier de son qui pral mélanger yon musique électronique avec Dirty Surf là qui pral vin accoucher
trap sound que nous gagnons journée jeudi. Par exemple, vous capable référer nous avec un producteur comme Lex Logger. Et Lex Logger. Est-ce qu'en anglais d'abord? Bref, Lex Logger. N'a fait recherche pas non parce que prononciation n'a pas fin trop good. But monsieur qui est entre autres le produit méga hip que nous connaissons qui relé Blow Manifest BMF de Rick Ross. Et ça pral vin faire gros déclenchement qui fait bon côté et rap sudiste là, même si peut-être bien avant te gen Outkast, nous connaissons qui remporté plusieurs Grammy Awards, gagné plusieurs autres artistes dans sud là qui font paquet de bagaille, mais décollage là pral prend vraiment là, nous pral gagner toute une génération de rappeurs qui sorti dans sud, soit Atlanta, soit Memphis, soit Houston et ou bien de l'autre côté dans sud là. So, c'est tout ça qui pral permettre que journée aujourd'hui a nous gagner de artistes ou bien de nèg qui a fait trap tant que 21 Savage, tant que Travis Scott, tant que ASAP Rocky, nous gagner yon paquet vraiment paquet nèg qui vraiment dans la trap. Mais gagnons différence pour nous river fait parce que trap musique là, il gagne deux aspects là-dedans. Qui c'est premièrement aspect lyrical là, soit dia qui permet que musique là trap là parce que dans musique trap là texte c'est soit on parle de drogue, soit on parle de sexe ou bien on parle de money. C'est ça yo, que dans musique trap là ou privé joindre. Mais par contre, gagne réalité à pour qu'on doit chanter parce que en pile non, rappeur qui a fait trap yo, tant que j'aime te dire moi, mais yo des fois yo a pas tenu avec un groupe gang, ou du moins ben yo yo a dit le coup parce que y a chanté réalité qui gagne un trap là, réalité qui gagne un bandeau. Et puis grosse différence pour nous river fait, parce que trap musique faut écouter une coupe de sound et faut écouter une coupe de lyric là. Tu te dis nous lyric là, qui ça doit gagner là-dedans, mais sound dans tout, li doit gros gens que lié. Tant que on est tant que 21 Savage. Il y a l'un qui te dit, on pose, qui te dit, on capable toujours faire et yon musique son trap beat, par contre, on va faire trap music. Parce que trap music là, il y a une façon qu'on doit faire et on gagne une réalité qu'on doit décrire là-dedans. Par exemple, si nous prenons un artiste comme Drake qui est capable de poser son trap beat, mais par contre, Drake lui-même, il va faire trap music. Nous capable prendre plusieurs autres rappeurs encore qui est capable de poser son trap beat, mais par contre, il va faire yon trap music. Nous avons un paquet de bagailles que nous sommes capables de dire de trap parce que trap là c'est un mouvement qui vraiment mis dans tout le monde la journée aujourd'hui. Nous sommes capables de parler de rap US là. En pile de trap là spécialement. Nous malheureusement pas mentionné yon nèg tankou Young Jeezy qui a fait trap tout. Nous pas mentionné yon paquet de nèg tankou Future. Nous pas mentionné yon producteur tankou Metro Booming. Metro Booming. Nous pas mentionné yon nèg tankou 21 Savage, mais par contre, nous quand même voyons idée de qui ça qui trappe. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que des trappes qui a fait en Haïti? Et si des trappes qui a fait en Haïti, qui est-ce qui a fait? Qui est-ce qui trappe? Qui est-ce qui pas trappe? Même si, thème ça, inapproprié. Parce que, monde qui a fait musique trappe là, c'est la terre que lui. Parce que, pas mal qualificatif trappe. Trapper, c'est plutôt dealer. C'est lui-même qui est le trapper. Mais par contre, nous qui a fait musique là, c'est rappeur. Par exemple, le rappeur Young Thug, le rappeur 21 Savage, le rappeur Future. You know what? Là, nous allons regarder est-ce que tout bon vrai, nèg ici a fait trap. Let's go! C'est bien malheureux, vraiment pas qu'à situer l'historicité de la trappe en Haïti pour nous. Parce que nous souvent dit tête, qui est-ce qui commence avec trappe ici? Est-ce que c'est fantôme? Parce que grand-père vous dit que c'est fantôme de vous quitter les méchalea. Est-ce que c'est Dichette? Est-ce que c'est 4-7? Qui est-ce qui commence avec trappe par moi ici? Malheureusement, pas vraiment. Gain information ça en même pour qu'on y a pour capable ban. Mais ça seulement capable dit nous, gain en pile remise en question qui suppose fait de ça nous et les trappes ici parce que un côté sujet nous vraiment pas répondre avec ça qui est les trappes là et puis côté flow en pile dans monde nous considérer comme monde qui a fait trap yo, yo vraiment pas répondre avec trap flow parce que j'aime t'a dire tout à l'heure, on capable toujours poser son trap beat mais par contre pas faire trap music. L'exemple Kerry James en France. Dernier album, il gagne de trap beat que il posait sous lui. Mais par contre, Kerry James, lui-même, il n'a pas fait trap music. Est-ce que nous bien saisi?
De même que Medine lui posait sur le trap beat, mais par contre, Medine en lui-même pas fait trap music. Drake, de même. Et ça fait nous, par exemple, le nec d'un coup Future qui a fait trap music, le nec d'un coup Gucci Mane qui a fait trap music, le nec d'un coup 21 Savage qui a fait trap music. Parce que y a un mot qui propre à eux-mêmes qui a décrit dans la musique là. Par contre, nous-mêmes pas bon ici, est-ce que tout bon vrai nous a fait trap? Moi, personnellement, j'ai un pile remise en question sur ça. Parce que, en pile de musique que m'attendez, y a vraiment de rap pur. Par exemple, si je prends un monde que souvent nous considérons comme gros trappeur, ici, même si nous sommes dans l'inapproprié encore une fois, bref, nous habituons avec ça. On prend par exemple Tikao, dans un premier temps qui était les têtes Louis Lai. Même personnellement, pourquoi j'aime se passer un trap flow? Parce que chaque fois que je pose son sound, trap est toujours passé avec un rap flow. Si je prends par exemple 4-7. Nous toujours considérons comme nèg qui a fait trap music. Mais 4-7, c'est un nèg qui passait souvent avec le flow rap. Même si en pile fois, il y a de réalité que le décrit, qui un petit peu bien pour avec réalité, bando, ou bien j'ai la smoke with the street, j'ai la living, la PC de lifestyle, non, musique lio. Nous citons deux ça, son façon qu'on arrive à faire comprendre que trap là, lui m'a donné un paquet de bagages pour capable de faire dans l'essence. Même gens, en France, il y a un acteur comme Caris qui a fait drill music. Drill là, n'a pas besoin de parler de lui-même très bientôt dans l'espace. Et puis, n'a oublié Steve J. Brown. Est-ce que monsieur a fait trap? Yo, let's go, man. Trap, trap, trap. Trap, 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 trap. Trap, music. Est-ce que n'a ici t'a fait trap? Bon, je pense que m'a avis parle déjà. Ou même, si toutefois, ou estimé. De rappeurs ici qui n'ont trap music ou capable mentionner. Si toutefois d'accord, ou capable commenter ça. Si toutefois pas d'accord, ou capable toujours commenter ça. Aucun problème parce que nous toutes, nous avons bien possibilité pour nous bail ça nous penser ou bien dit ça nous penser dans les commentaires en bas vidéo ça. Pas oublier abonner avec channel là. Pas oublier Benz. Music baby, let's go. Daddy's still on the beat.